Bonjour. Eh bien oui, bienvenue en social mon mardi. Dernier mardi d'octobre. 8W6. M7. Nous sommes donc dans la deuxième semaine de réveil de l'esprit. Enfin, deuxième tentative. Eh bien oui, le mardi c'est en si. Le lundi c'est en là. 432. Peut-être mieux, sinon il n'y a qu'à le mettre en 441. Le mardi c'est en si, et si je me posais les bonnes questions, et si j'en avais marre de vivre dans un mensonge collectif, et si je voulais pas être collabo du système, et si j'étais un fragment dans mon espace-temps. J'analyse tout ce qui se passe sur Terre. Que je vois que vous faites que de la merde. Et si Troène? Et si pour changer les âmes portisseurs, c'était pas mieux les sphères? La CX. Xantium. La DS. Ne pas laisser du Citroën, non, ne pas laisser du Lucifer, enfin, bref, tout ça parce que quand il faut changer des âmes en tisseur, seule la clé de 12 desserre et resserre le conjoncteur. C'est pas ce temps pour lui. Enfin bref, le mardi c'est en si et puis c'est tout. Allez, on se pose des questions. C'est le semainier de l'esprit. Tu vois. Ça a l'air tranquille comme ça. Comment remplir vos cerveaux vides? J'ai pas trouvé. Mais comment réveiller vos esprits morts? J'ai trouvé. C'est comme un... dans l'histoire à Coluche. Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud, il est partout, on ne le voit pas. Mais plus on cherche, plus on le trouve. L'esprit. C'est pas la télé. On ne voit pas son âme. Moi, c'est pas avant, moi. Bon. Je viens de me rouler un bon vieux mégot qui était par terre, là. On en roule un autre, pas une thune, je ne sais pas de quoi, mais je veux pas me vendre. Je ne veux pas voler, je ne veux pas tricher, je ne veux pas mentir. J'en étais au 12e commandement, mais attends, je vais en prendre des autres. Ça va pas tarder. Chef d'état d'âme, c'était pas facile. Triste de liste, oh, compliqué. Il faut vraiment renoncer à. C'est la survie en fait. On est en mode survie dans l'espace-temps. On est déjà des revenants. Incarné plein de fois et vous comprenez rien. Vous prenez que la télé. C'est de la merde. Bon, il y a une ou deux émissions, je dis pas. Qu'on me dise quand il y a un bon film que je le regarde. Sinon, il n'y a pas de télé chez moi. Pour moi, il faudrait interdire la télé. Ça enlève l'esprit de famille. Par la guerre, ils enlèvent l'esprit des peuples, par les médias et tout ça, l'esprit de famille, et par les cachetons, l'esprit individuel. Cet esprit, oh, ils ont plein de chutes libres au fond des abîmes. Morceau de bon rêve ce matin. Des vrais songes. Il y avait une table, un genre de table ronde, mais elle était musicale. Et je jouais avec mes deux mains, et avec mes deux briquets pourris. Vous savez, des sons. Il y avait, ça faisait leur chevalier de la table ronde. J'ai inventé des pleins de musique. C'est incroyable. Je sens que je me réveille avec les yeux qui coulent. C'est que le rêve il était bon, il y a une combustion même dans les yeux.
La vie est une combustion, non, est une oxydation. Comment vous dire ça? C'est tout ça pour dire que le mardi, c'est en si. Voilà. À la Karen Sherrill, quoi. Et je vous dis bien si. Hein? Moi aussi, je vous le dis. Le mardi, c'est en si. L'esprit, c'est dans la semaine. C'est pas comme ça.